est 1h d'après-midi, je vais aller me laver, me préparer. Je pense que je vais me rhabiller comme je t'ai habillée hier parce que j'ai à peine porté ce que j'avais mis, puis j'aimais bien. Donc voilà. J'ai fait mon lit, maman, ma cuisine a rangé, la salle à manger est débarrassée. J'ai pas fait clairement mon ménage à fond aujourd'hui parce que je savais que j'aurais du monde. Je pense que je ferai mon ménage demain parce que normalement Aaron devrait aller à la crèche demain. Donc voilà, je pourrais faire des vidéos parce que j'ai des vidéos à vous filmer en retard. Et je pourrais faire mon ménage, donc c'est cool. Et là, elle est prête. Elle joue à Mario Odyssey. Mario Odyssey. Ça fait un moment qu'elle n'y avait pas joué. Et là, elle me l'a demandé, vu que papa n'est pas là, bah, elle peut avoir la télé un petit peu, donc autant en profiter. Tu me dis quoi? Mais tu arrives pas à lire? Eh oui, un petit chat. C'est un petit chat qu'elle a. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu cherches? Et alors, t'as la sieste. Bon, je vais me préparer, je vous reprends tout à l'heure. Coucou tout le monde. J'ai mis du rouge à lèvres rouge, ça faisait longtemps. J'avais envie, puis ça allait très bien avec mon haut. J'adore ce haut. Je pense que vous allez beaucoup me le voir porter cet été. Je trouve que ça me va bien le rouge, en tout cas. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, moi j'aime bien. Là, je me suis posée un petit peu sur mon bullet, il est 2h, donc je me suis préparée. J'ai fini de ranger la cuisine et tout ça. J'ai fini de monter le vlog du week-end. Donc au début, j'étais pas sûre, mais finalement, je détache du coup le vlog du week-end avec le vlog du lundi. Et le lundi, cette journée, vous l'aurez avec le début du vlog semaine. Voilà, j'espère que ça vous ira. Parce que j'ai déjà vu que le vlog du week-end en fait faisait presque 30 minutes, donc je me suis dit ça suffira. Voilà, je vais finir mon bullet, comme ça j'essaie de vous le montrer en fin de journée. J'attends ma maman qui va arriver sûrement d'une minute à l'autre. Je sais pas, je crois que ma cousine devait passer aussi. Donc je sais pas, si je lui demanderai si elle veut passer à la caméra. Si elle veut passer, je vous la montrerai. Et moi là je vais aussi. Oula, je suis blanche du coup. Je crois que c'est effet rouge à lèvres qui fait blanc mon visage. Je suis pas assez blanche que ça. J'ai acheté des nouveaux trucs. Ah ouais? Et du coup, je sais pas si vous en avez parlé, mais j'avais commencé ces bouquins-là. Donc c'est 5 ans de réflexion et 5 ans de ma vie de maman. C'est des agendas en fait. Je vais essayer de vous montrer une page vide. Ça va bien en avoir une. Et en fait, ça se présente comme ça. Chaque fois, vous avez un jour avec une question. Alors par exemple, le 30 mars, où sont les dents de votre enfant? Où en sont les dents de votre enfant? Pour ça, c'est pour le livre de maman. Et pour le livre... c'est ma maman. Et donc l'autre, en mars, 5 ans de réflexion, c'est plus personnel. C'est que voudriez-vous acheter, par exemple. Et en fait, ça se remplit sur 5 ans, donc ça se remplit sur très longtemps. Et là, je me suis rendu compte que tout ce mois-ci, je ne l'ai pas rempli. Alors que je m'y tiens à peu près depuis juin de l'année dernière. Donc c'est un peu bête. Donc là, je vais rattraper mon retard, c'est pas très grave. Mais voilà, je voulais vous en parler parce que je trouve ça sympa. Mais après, il faut avoir le temps de s'en occuper. Voilà. Bon, je vous laisse, que ma mère, elle arrive.
encore. Allez chercher. Non, il est pas dans la boîte, Kayla. Il est un peu bien dur à cacher. Il est bien caché celui-là, mais il est là. Ah, je sais où il est. Eh oui. Je sais où il est. Recherche un peu. J'ai trouvé. Bravo. J'ai compris en gros. Mais vous ouvrez que celui-là, moi j'ai pas d'autre chocolat. Viens, Ron, on va mettre dans l'assiette, toi. Viens. Et pourquoi il est un seul et moi je couche pas les dents. Après, t'auras mal au ventre sinon. Si tu manges tout. Ah, mais je ramène même pas le ventre. Après, tu reprendras des soupes. Moi, je vais prendre de lui. Voilà. Tu vois les filles. D'abord, on va le prendre. Oui, oui, on va partager. C'est pour toi ce gros là. Ça, c'est pour toi. Oui. Oh là là. Ça, c'est pour moi après. Oui, on va partager après. Pareil. Mmh, on l'ouvre. On va manger le gros. Oui. Ouais, sur la luge. Ah bah pareil, ils ont eu pareil tous les deux. Le garçon, elle, Stéphie, elle est là, je pense. Ah, mais il va l'avancer vite quand t'as cuit. C'est la luge. Ah, j'ai ça. Oui, bon, non, il va Allez, mangez maintenant le bon chocolat. Moi, il y a un petit. C'est pas cool. Bah, c'est toi qui as fait ce petit. C'est pas cool, c'est toi qui as choisi. Bah, après, tu peux l'ouvrir, on mettra le papier de chocolat dans du papier d'aluminium, tu le manges pas. Si tu veux juste avoir ta surprise. C'est bon, maman? Il a tout l'œuf? Ah non, il l'a pas, j'ai peur. Mange vite, tu dis. Ouais, mange vite. Partage. Non? C'est à qui ça? On a jamais. Oh, il est gros, mais à moi. Non, c'est ça les enfants. Tu ne partages pas. Mais tu leur sors. C'est bon, c'est bon, c'est pour toi. Tiens. Ah si, c'est le même que ton frère. Je crois que c'était fille, hein. Non, c'est sale, c'est pas grave, non, c'est unisex ça, c'est des trucs de la neige. Hein. C'est sale, c'est pas grave, on nettoiera les mains après, moi je suis au chocolat. Ouais, coucou, ça fait 10 fois que je dis ça dans la vidéo. Il est 7h30, donc ma maman vient de partir il y a un petit moment, enfin, il y a une petite demi-heure, on vient de terminer de manger avec les enfants, donc elle va demander des hamburgers. J'ai refait des hamburgers. Là, elle m'a demandé, enfin elle était pas trop bien, je sais pas, elle faisait un peu la bouille. J'ai dit qu'est-ce qu'il y a et tout, et elle me dit j'aimerais bien regarder vice versa. Du coup j'ai regardé quelle heure il était pas encore 7h30, je me suis dit bon ben c'est bon, je te le mets, mais dès que c'est fini c'est dodo, parce que du coup quand ça va finir ça sera 9h. Normalement quand Kayla se couche un petit peu avant 9h, mais bon c'est pas très grave, ça lui a fait plaisir et du coup elle et Aaron la regardent vice versa. Moi je vais mettre sur l'ordi, je vais finaliser mon menu de la semaine, ma liste de courses, parce que demain je vais aux courses. Et puis voilà, c'est tout. Après, ça sera repos. Je vais aller me démaquiller, me mettre en pyjama. Et puis voilà, une bonne petite journée de passer en famille. Encore une fois, le chéri rentré, il est KO. Il a fait la fiesta pendant 3 jours. Donc là, il dort. Et voilà, moi, je m'occupe de mon linge, de ma cuisine, de ma maison, un petit peu comme d'habitude. Et du coup, le bullet, je vous montrerai demain. Mais bon, ça sera dans le même vlog, vu que je vous fais un vlog sur plusieurs jours. Donc c'est pas très grave, d'accord? Parce que là, la lumière est pas top. Donc je préfère vous le montrer demain. Mais en tout cas, voilà, j'ai quasiment fini. Donc juste à mettre quelques petites couleurs. Voilà, je suis contente. Bon bah écoutez, on se retrouve demain pour une belle journée. Coucou tout le monde, on se retrouve, on est mercredi matin, on a sauté un jour. Oui oui, alors pourquoi? Parce que hier je n'ai pas arrêté de courir. J'avais des courses à faire, je suis allée le matin du coup à Leclerc. Mais en fait j'ai enchaîné, en fait le matin j'ai posé les petits à l'école et à la crèche. Je suis partie au cours, je suis revenue juste à temps pour récupérer Kayla à la cantine. J'ai rangé mes cours, je vous ai filmé le haut cours. J'ai dû faire manger Kayla, la ramener à l'école. Et en fait quand je suis rentrée j'étais éclatée. Je me suis dit je vais faire une petite sieste et au final j'ai dormi presque toute l'après-midi. Donc voilà, il n'y avait pas grand chose au film hier quoi. Et voilà, donc c'est pas grave, on repart pour une nouvelle journée. Franchement je sais pas trop comment je vais faire pour les vlogs semaine. La semaine dernière j'ai testé de découper en plusieurs parties. La semaine d'avant je vous avais fait un vlog semaine. Je vais voir un petit peu au feeling, en fonction de la durée mais que je veux vous filmer. Je pense que je vais essayer de filmer moins. Un petit peu chaque jour et vous faire un vlog semaine, comme ça il sera pas trop trop long et moi ça m'évite voilà de vous monter des vidéos tous les jours quoi, presque. Kayla est prête, il manque à ce que je la coiffe. J'ai mis un coup de shampoing sec donc je suis contente, ça fonctionne quand même bien parce que là j'avais les cheveux hyper gras ce matin et bon là ça va quand même beaucoup mieux. Je vais, comme je l'ai dit, coiffer Kayla, elle est en train de jouer avec ses figurines. Aaron m'a fait la misère cette tenue, mais alors la misère, il m'a jamais fait ça. À part quand il était malade, ça arrive qu'il se lève quoi, mais c'est, voilà, c'est quand il est malade. Moi, je dormais mieux. Et là, oui, toi t'as bien dormi, heureusement. Mais cette nuit, moi je me suis couchée vers 11h30. À 1h ou 2h du matin, il s'est réveillé et il croyait que c'était le matin. Il vient devant son bib, son gâteau, je dis non, non, et tout, tu dors, impossible de le recoucher.
Du coup, je lui ai donné Bib à 2h du matin. Hein. J'étais tellement crevée qu'il fallait que je dorme. Je me suis dit, je vais donner Bib à dormir. Il a pas dormi. Après, il m'a demandé des dessins animés. Il croyait vraiment que c'était le matin, quoi. Que c'était 7h. C'était la fête, quoi. Mais voilà, comme je lui ai dit, moi j'avais pas d'énergie. Donc, je me suis dit, bon, je l'ai fait déjeuner. Il est resté un petit peu avec nous dans le lit. Il a pas dormi. Il nous a fait la misère. Il a bougé de tous les côtés et tout. C'était la galère. Et au bout d'un moment, il m'a demandé des dessins animés. Du coup, j'ai mis devant les dessins animés. Moi, je me suis endormie. Enfin, j'ai vraiment dormi, mais entrecoupé, genre une heure. Enfin, j'ai une très très mauvaise nuit. Et puis au final, à 6h, je me suis levée. Je l'ai trouvé endormi par terre, sur le sol. Donc, je l'ai remis dans son lit. Et là, il s'est réveillé à 8h. Donc, voilà. Je suis fatiguée. J'espère que la journée sera plus reposante parce que cette nuit, c'était horrible. Bref, donc voilà. C'est jamais comme ça? Non, c'est pas jamais. C'est jamais comme ça. Mais bon, mais j'espère que cette nuit, ça ira mieux. Je vous dirai ça. Donc, on se retrouve un peu plus tard. Je vais aller amener Kayla à l'école et rentrer avec moi ce matin vu qu'il va à la crèche que cet après-midi. Kayla est censée avoir le foot cet après-midi, mais on dirait qu'il va pleuvoir. Donc, je sais pas. Franchement, ça me rangerait de rester à la maison cet après-midi pour pouvoir me reposer. Mais bon. Voilà. À tout à l'heure. Donc elle a ressorti les figurines de vice-versa. Toi t'as bien dormi mon cœur? Oui. Moi c'est bien. Waouh, la nuit t'a pas bien passé. Non, la nuit c'est pas du tout bien passé pour moi. Mais bon, je pourrais peut-être me reposer un petit peu cet après-midi. Et du coup hier je voulais vous filmer des vidéos, je les ai pas filmées vu que j'ai dormi. Je voulais filmer cet après-midi, mais franchement je sais pas, on verra si je suis pas trop éclatée. Coucou tout le monde, on se retrouve, je viens de récupérer Kayla, il doit être à peu près midi je pense. J'ai déjà préparé le repas. Donc Kayla elle a des restes d'hier, des pâtes avec du jambon parce que ce que j'ai fait à midi elle n'aime pas. J'ai fait la tartiflette express au cookie, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Parce que le chéri rentre à midi avec son collègue. Voilà ce que ça donne et ça m'a l'air très très bon tout ça. En fait c'est tout simple, là j'ai mis des lardons et des oignons que j'ai fait revenir... jusqu'à que ça soit bien doré. Ensuite j'ai mis des patates, un peu d'eau, de la crème liquide. Si vous voulez les quantités vous me direz, je vous les mettrai en commentaire. Mais de toute façon c'est la recette qu'il y a dans le Cookéo, je ne l'ai pas inventée. Hein. C'est une recette qu'il y a sur l'application Cookéo, c'est Tartiflette Express il me semble. Et du coup voilà, donc je mets les pommes de terre, de l'eau, de la crème, du sel et du poivre. Je mélange tout ça, je mets cuisson sous pression il me semble 5 minutes, c'est cuit. On rouvre, on met en maintien au chaud 5 minutes, on met le fromage. Donc eux ils disent du master, moi j'avais pris du truc à tartiflette, bon, c'est pas très grave. Et ensuite on laisse comme ça et puis ça donne ceci. Et à mon avis ça a l'air très bon, je vais goûter, je vous dirai tout à l'heure mais c'est pas mal. Et donc notre petite Kayla est ici. Elle vient de recevoir sa petite commande qu'elle avait passée avec son argent de poche. Ah oui, je vous en avais même pas parlé, mais Kayla a de l'argent de poche depuis quelques semaines, on va dire, c'est assez récent. On en a parlé avec son papa, moi j'en avais à son âge, je trouve que c'est une bonne idée pour l'apprendre à lui, pour qu'elle apprenne à gérer son argent. Et vu que je lui achète pas tout le temps des choses, au moins s'il y a quelque chose qu'elle veut, elle peut mettre de l'argent de côté et se le prendre. Et donc, elle avait mis de côté les sous que la petite souris lui avait ramené, plus son argent de poche de 2 semaines, il me semble. On lui donne 2 € par semaine à Kayla, et c'est à condition que la semaine se passe bien, qu'elle soit sage et voilà, qu'il n'y ait aucun souci, sinon il n'y aura pas d'argent de poche à la fin de la semaine. Ça fait un peu la carotte, mais en tout cas, ça fonctionne très bien. Mais non, tu peux bien le remettre. Tu veux que je te le remette? Oui. Mais t'es comme ça, à mon avis. Hein. Voilà. Et du coup, avec son argent de poche, elle a commandé réponse. On l'a pris sur Amazon. Attends, parce que c'est moins cher. Je sais pas s'il y en a qui font la collection des pop, hein, mais en tout cas, elles sont. Attends, mon chat, regarde. Là. Je sais pas s'il y en a quelques-unes d'entre vous ou qui ont des enfants qui font cette collection là, mais en magasin je trouve ça quand même exagéré, elles sont à 15-20 € des fois les pop, et là voilà sur Amazon on peut les trouver à 9 €, donc c'est quand même plus intéressant. Donc là elle vous montre sa collection, elle en a 3, donc la première qu'elle a eu c'est Ariel, vous l'avez déjà vu, la deuxième c'est la Belle, c'est son papa qui l'a offert, et du coup avec son argent de poste elle a commandé réponse et elle est trop jolie, t'es contente? Oui, voilà, je le savais. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos de la pop. Et n'oubliez pas, si jamais vous voulez me soutenir, même si vous la commandez pas, mais que vous avez une commande à faire sur Amazon, passez par mon lien. Comme ça, moi, ça me donne un petit pourcentage et ça vous change rien au prix, évidemment. C'est ma moins préférée, c'est elle. La plus préférée, c'est elle. Et la pas préférée, c'est elle. Ah ouais, c'est en top 3. En fait, les 3, c'est mes préférées. D'accord, je crois que t'es pas de son choix de mon cœur. On va te faire manger comme ça, parce qu'après... On va manger parce que papa il va arriver. Allez, et après nous on va au foot. Moi.
Moi, je vais cacher mes pains. Tant que j'y pense, je vous montre autre chose. Tant qu'à vous parler des produits que j'ai commandés sur Amazon. Parce que comme vous le savez, je commande souvent. Et, c'était un produit que j'avais vu en magasin. Mais en magasin, il était cassé. Du coup, je me suis dit, bon, je vais regarder. Il était sur Amazon moins cher. Donc, je l'ai commandé. C'est en fait une boîte. Donc, je vous montre l'emballage si jamais vous voyez en magasin. C'est la collection Disney Enchanting Collection. Donc, moi, j'ai pris la belle snack box organique. Donc, c'est en matière organique. Et c'est une lunch box. Attends, qu'elle est. Je vous la montre. J'ai complètement craqué, je la trouve trop belle. Elle est rose, pâle et beige. Donc là vous avez une élastique en caoutchouc avec des petits couverts. Bon, je l'ai pris pour cet été, elle coûtait 18€. C'est clairement pas donné pour une petite boîte à goûter. Mais bon voilà, c'était vraiment un gros craquage et un gros coup de cœur. C'était mon petit cadeau quoi. Voilà, je l'ai reçu ce matin, donc voilà, je voulais vous la montrer aussi. Je n'ai pas oublié de vous montrer le bullet, je vous le montrerai tout à l'heure, j'ai encore quelques couleurs à mettre. Donc voilà, ça sera pour un peu plus tard dans la vidéo. Donc à tout à l'heure. Coucou tout le monde, on se retrouve, on est jeudi, il est 11h à peu près. Donc là je vais m'occuper du repas pour Aaron. Je voulais vous montrer rapidement. Je n'ai pas oublié hier de vous montrer le bullet. C'est jusqu'à quand j'ai voulu le faire, c'était trop tard. Donc je me suis dit que je vous montre aujourd'hui à la lumière du jour, tout à l'heure. Sûrement pendant la sieste du bébé. Allez oui, attends. Et donc ce midi, j'ai refait une recette, donc risotto à l'espagnol. Je l'avais déjà faite et je l'avais trouvée très bonne et il me restait du chorizo, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc voilà ce que ça donne. C'est très très bon. Donc voilà, moi je rajoute un petit peu de crème fraîche, hein, comme tout le temps, mais c'est très bon. Et hier, la tartiflette express. Là. J'ai l'air très blanche, mais c'est la lumière. Je vous disais hier, la tartiflette express, je vous en ai pas redonné du coup des nouvelles, mais alors c'était super bon. Je pense que je vais le refaire. Le seul truc, c'est que moi, je l'ai laissé en maintien au chaud pendant plus de 25 minutes parce que le chéri est arrivé en retard pour sa pause du boulot. Et du coup, les patates étaient un peu trop cuites. Mais franchement, c'était délicieux. Donc voilà, si vous laissez maintien au chaud 5 minutes comme ça indiqué, ça sera super bon. C'est une recette que vous avez déjà dans le Cookéo. Normalement, moi, j'ai le Cookéo Connect. Voilà. Puis si vous l'avez pas, vous pouvez la trouver sur Internet, je pense. Tartiflette express. Voilà. Le chéri va me jeter tous les citrons par terre, donc je vais ramasser ça. Je vais manger avec lui, après il va aller à la sieste. Le chéri va venir manger encore entre midi et deux avec son collègue de boulot. Eux ils auront des frites et des cordons bleus, moi j'avais pas vraiment envie de manger ça, donc voilà. Bref, donc on se retrouve tout à l'heure. Je vous retrouve, il doit être 3h30, quelque chose comme ça. J'ai pas arrêté encore une fois de la journée, le chéri est venu manger, etc. Non, manger, le petit a fait sa sieste, après sa sieste j'ai dû aller au docteur pour vérifier que les lotis d'or étaient bien passés, donc tout va bien. C'est cool. Pendant sa sieste, j'en ai profité pour vous filmer deux vidéos. Une sur mes premiers achats pour l'anniversaire de Kayla. Donc c'est une vidéo qui arrivera très bientôt si elle n'est pas déjà en ligne. Et ensuite une vidéo sur la boîte souvenir aussi de Kayla. Donc j'espère que ça vous plaît. Coucou tout le monde, je vous reprends rapidement. Il est 4h30 passé. Maman ! Pour montrer le bullet tant qu'il fait soleil. Parce que l'heure défile et je vais encore zapper de vous le montrer. Et voilà, je sais que vous aimez bien le voir, donc je prends le temps de le faire. Je voulais vous dire que pour l'instant, je pense que je vais rester sur le système de vous filmer du lundi au jeudi, en vous filmant peut-être pas tous les jours, en vous filmant ce qui est intéressant à vous montrer, en essayant de faire en sorte que le vlog ne soit pas trop long, et je vous filmerai vendredi, samedi, dimanche, voilà. Et du coup, le vlog du lundi au jeudi sera en ligne le samedi, et le vlog du samedi, du vendredi, samedi, dimanche sera en ligne le mercredi. Voilà, on va faire comme ça pour l'instant. Vous allez dire, je change tout le temps d'avis, mais c'est juste qu'il faut essayer de trouver la solution la plus adaptée pour moi et en même temps vous faire plaisir. Bref, donc je vous montre les bullets. Alors, voici ma première page pour avril. Donc je suis partie sur le même système. En fait, je voulais trouver une carte, mais j'en ai pas trouvé. J'ai pris les cartes que j'avais dans un petit livre qui sont plutôt sympas. Donc voilà, avec des petites phrases aussi sympas. Donc j'ai fait mon mois d'avril avec mes petits, comment on appelle ça, pochoirs. Voilà. Que j'aime bien. C'était dans les teintes vert et rose et vous allez voir qu'après j'ai plutôt choisi du bleu et du rose. Ensuite on passe au planning du mois, donc avril, sur le thème des licornes, de la fête, parce que c'est le mois de l'anniversaire de ma puce qui est le 30 avril. Alors certes ce sera le 30 avril, on va le fêter que le 1er mai du coup, mais je l'ai mis sur ce thème là parce que ce mois-ci je vais beaucoup m'occuper de ça, parce qu'il faut que j'achète tout ce qu'il faut pour le gâteau, pour la décoration, etc, pour ses cadeaux. Donc voilà, c'est vrai que c'est un peu le cœur du mois d'avril, l'anniversaire de ma puce. Voilà, ceci explique cela. J'ai pas encore noté tous les trucs, mais j'ai noté voilà, les petites choses les plus importantes. Et surtout ma liste de choses à faire. Alors, comme vous voyez, je me suis fixé pas mal d'objectifs pour le mois. Je sais pas si je vais arriver à tout faire. Donc il faut que je termine les albums de naissance des enfants, parce que ça fait un moment que je traîne et ça me saoule de pas avoir terminé. Trouver une robe pour Kayla, parce que début mois on a un mariage. Nettoyer les voitures, c'est toujours pas fait. Organiser l'anniversaire de Kayla, ça c'est quelque chose bon, que j'ai déjà commencé et qui se fera sans souci. Finition robe, c'est pour ma robe pour le mariage, je dois l'amener à la couturière pour un petit détail. Je devrais monter le DVD 2, donc ça c'est pour les souvenirs personnels.
trier une pièce. Donc, je sais franchement pas si j'aurai le temps de terminer une pièce, mais j'ai déjà fait du tri un petit peu au Kajibi, un petit peu à la cuisine, donc voilà, je vais continuer dans ce sens-là. Ranger mon tiroir à papier qui déborde, mais c'est le cas de le dire. Ranger mon ordinateur et mon téléphone qui débordent pareil. Et album photo 2017, donc c'est-à-dire trier les photos, et après je pense que je commanderai l'album, mais pas en mois d'avril, j'aurai pas le temps. Ensuite, on part donc sur la page du tracker et ma page YouTube. Alors, mon tracker, donc il a un peu changé. Donc vous allez voir, il y a deux lignes qui ont disparu. Il y a la ligne révision qui a disparu parce que pour l'instant je ne révise plus vu que mon concours est passé. Et la ligne aussi sur mes journaux que j'avais à remplir parce que je m'y tenais pas spécialement, donc ça servait à rien. Donc voilà, j'ai répété un petit peu les mêmes lignes que d'habitude. Donc se coucher avant 22h30, la lecture, le sport, les pas de clignotage, manger des fruits et des légumes. Ne pas dépenser, les posts YouTube, les posts Insta, ça c'est la bienveillance avec les enfants, donc voilà, j'ai mis ça, ça veut dire qu'en gros, voilà, je m'énerve pas contre eux quand c'est pas de leur faute, voilà, quand on est stressé, fatigué, des fois on se laisse emporter, et j'essaie de plus le faire. Les moments en amoureux, donc avant je mettais uniquement les moments au resto, quand on sortait, mais en fait maintenant je vais noter à chaque fois qu'on se passe même une soirée à la maison, ou un moment où on est vraiment que tous les deux, et voilà, histoire de se motiver à en faire plus souvent. Les moments en famille, c'est pareil, j'en mettrai même quand des fois je mets un moment qui vient à la maison, qu'on passe un moment ou qu'on va chez une tante ou quoi, voilà, je les mettrai aussi. Et donc là c'est les moments avec les amis, comme vous le verrez cette semaine je n'ai vu aucun ami, ça me manque. Enfin bref, donc voilà, j'ai resté dans le thème des gâteaux, j'ai resté dans le thème du bleu et du rose. Et donc ma page YouTube, donc vous allez avoir une petite idée des vidéos qui vont arriver. Évidemment, il y en aura un certain nombre autour de l'anniversaire de Kayla, entre autres le haul pour déco et autres pour son anniversaire. La vidéo sur ses cadeaux d'anniversaire, je vais la tourner en avril, mais vous l'aurez qu'en mai, parce que je la tourne avant de lui offrir, histoire de ne pas vous montrer tous les trucs ouverts et dévoilés, c'est plus pratique pour moi. Je vais vous faire la vidéo souvenir, enfin boîte souvenir, donc ça vous le verrez, c'est une surprise. Une story time sur mes origines, parce que vous me l'avez demandé dans la vidéo FAQ, je vous en ai parlé et j'ai vu que ça vous intéressait, donc je vais la faire avec grand plaisir. Et une vidéo par rapport au bonheur, mais ça je vous en dis pas plus, ça, voilà, ça arrivera sur la chaîne, j'espère pouvoir la faire au mois d'avril, mais ça risque peut-être d'arriver un petit peu après, voilà. Et après j'ai pas, voilà, j'ai pas fait les autres... j'ai pas fait les autres pages pour l'instant, voilà. Et je voulais vous montrer, ah oui, hop. Du coup, ça c'était mon mois de... comment dire, mon mois de mars, donc j'ai rempli mon tracker. J'ai beaucoup lu au mois de mars, hein, et j'ai mangé pas mal de fruits et légumes. Mieux que le mois dernier, et même au niveau du, au niveau de, des clignotages, je me suis pas mal améliorée, je trouve. Voilà, ça m'aide vraiment les trackers, je trouve ça vraiment super. Bref, c'est pas pour ça que je voulais vous montrer, en fait, c'était pour... ça. Vous saviez, avant je faisais une page bilan où j'écrivais tout un roman et une page juste avec certaines dates, certains événements où je mettais mes gratitudes, et du coup j'ai décidé de présenter ça autrement. Alors faites pas attention au dessin, je sais c'est la catastrophe, c'est juste pour voilà, avoir un visuel, et je trouvais sympa cette idée de, voilà, de petits fils avec des petites images. Donc j'ai mis les dates, les choses importantes positives qui se sont passées ce mois-ci, et en fait je reste sur ça, voilà, je parle que du positif et je trouve ça vraiment, vraiment plus cool. Il manque juste les couleurs à mettre, vous voyez j'ai tracé juste le noir, je vais gommer, je vais mettre un petit peu de couleur, mais du coup le nom pour la page du mois suivant changera sûrement, parce que je pense que je vais laisser juste mes gratitudes et que ça s'étalera sur les deux pages. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Avant ça se présentait comme ça pour les personnes qui s'en rappelleraient pas. Voilà, je trouve ça plus sympa, plus aéré et moins lourd en fait, parce que là, là je racontais un peu ma vie quoi, ça faisait un peu journal intime, mais c'est pas vraiment le but, c'est vraiment plus se garder une trace des bons moments. Voilà pour le point bleu. Moi je vais me remettre à remplir mon retard que j'ai sur ces trucs là, et après je vais me poser un petit peu, je vais essayer de vous monter la vidéo que je vous ai filmée, ça serait cool, avant d'aller chercher Kayla. Voilà pour le programme, donc on se retrouve ce soir. Recoucou tout le monde, on se retrouve pour la clôture du vlog, il est 9h45, donc je m'apprête à me coucher. Je voulais vous parler de deux lectures que j'ai terminées, je sais que vous aimez bien quand je vous parle des livres que j'ai lus, donc j'en profite. Alors j'ai terminé d'abord celui-ci dont je vous avais parlé, c'est Penser en image. Alors il est sympa, il se lit hyper vite, hein, parce que vous avez des pages comme ça avec des dessins et tout. Après j'ai pas, voilà, j'ai pas hyper accroché, j'ai trouvé quand même intéressant, mais voilà, je vous recommande pas non plus à 300%, enfin je vous recommande pas de l'acheter. Si vous pouvez l'emprunter à la bibliothèque, ben pourquoi pas. Moi je l'ai vu à deux bibliothèques de ma ville en tout cas, mais il y en a peut-être d'autres encore. Mais si vous pouvez l'emprunter gratuitement, voilà, pourquoi pas. Après de là à l'acheter, clairement moi c'est pas le livre que je vais racheter et relire quoi. Après il y avait des trucs sympas, ne serait-ce que pour le bullet en fait. Moi ça m'a inspiré pour le bullet, des modèles d'écriture, etc.
Voilà, il était pas mal, mais sans plus. Et ensuite, j'ai terminé celui-ci. Devenez le héros de votre vie. 30 leçons de leadership des héros de séries télé. Bon, faut prendre ça avec un petit peu de recul. Là. C'est pas ce livre qui est ouvert sur votre vie, clairement. Mais j'ai trouvé ça très marrant et très intéressant, le point de vue en fait de l'auteur par rapport aux séries télé et aux personnages, en fait, comment ils peuvent nous inspirer, comment ils nous inspirent déjà au quotidien. Et voilà, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Franchement, bon, je l'ai lu une fois. Bon, je le rachèterai pas parce que... j'ai pas des choses à relire, à m'imprégner et tout ça, mais j'ai trouvé cette lecture super intéressante quand même, donc voilà, je vous le recommande. C'était Yael Gabison qui a écrit ça, et apparemment c'est une fondatrice de cabinet en conseil en leadership international, et journaliste de formation, ex-directrice de marketing, ex-auteur pour la télévision, etc., etc. Voilà, donc c'est super intéressant le point de vue par rapport aux séries télé, et c'est vrai que c'est complètement vrai. Quand on voit des acteurs, on s'y attache, et même si des fois ils sont méchants, comme Dexter par exemple, on arrive à les aimer malgré ça, et puis on arrive peut-être à justifier aussi leur acte des... enfin, voilà, dans certaines situations, ou comme je sais plus comment il s'appelle, Breaking Bad, c'est pareil, voilà, qui tourne un peu à la dérive, on va dire ça comme ça. Et enfin voilà, je pourrais pas trop vous expliquer, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant, et moi je me suis bien voilà, j'ai bien aimé à lire, et c'était hyper hyper rapide à lire. Pareil, vous avez en fait chaque chapitre une citation d'un personnage d'une série télé, vous avez le point de vue dans la série, vous avez le point de vue dans la vraie vie, et vous avez une phase conseil, on va dire ça comme ça, réussir sans c'est savoir partager ce que l'on est, etc., etc. Dis-moi où tu te mets, je te dirai qui tu es. Voilà, plein de petites leçons de vie assez sympathiques et assez réelles pour le coup. C'est pas du fictif, hein, c'est des vrais conseils, des vrais trucs intéressants, je trouve. Mais voilà, je l'ai bien aimé. Si je retrouve les liens, parce que franchement celui-là je sais même pas s'il est sur Amazon. Bon, sûrement, je sais pas. Enfin, moi je les ai pris à la bibliothèque, donc je sais pas. Mais si je trouve des liens Amazon, je vous les mettrai en barre d'infos. Et là j'ai commencé celui-ci, Magical Timing. Et c'est un livre que je voulais acheter, donc je suis très contente de savoir qu'il est à la bibliothèque. C'est l'art de retrouver du temps pour soi. Voilà. Je l'ai commencé parce que franchement il est très court à mon avis, je vais très vite l'avoir lu, et c'est pour alterner en fait avec ma lecture du moment. Vous m'en avez demandé une nouvelle, c'est hop le livre La magie de la liste. Et alors celui-là c'est un gros favori. Je l'ai pas terminé, mais j'ai presque terminé, et en fait j'alterne avec d'autres lectures pour pas le dévorer trop vite, justement parce que par contre celui-là je le trouve hyper passionnant, hyper intéressant, hyper je sais pas. Il vous pousse à être plus productif quand même, à créer la liste de vos rêves, etc. Et franchement, je l'adore, et j'ai pas envie de le terminer. Et je pense que je vais prolonger mon prêt à la bibliothèque, et après je pense que je l'achèterai. Parce que clairement, ça c'est un livre que je vais me remettre dans ma vie plusieurs fois, je pense, à lire, parce que voilà, je le trouve hyper pertinent. Gros favori. Et du coup, celui-ci, bon, je viens de le commencer, donc je peux pas vous dire, mais du coup, tout ça pour vous dire que là, je vais lire, et puis je vais aller me coucher. Voilà, une bonne journée de passée. Aujourd'hui j'ai pas trop avancé dans le tri chez moi, j'ai fait du linge et tout, mais il faut tout que je plie, donc demain j'aurai pas mal de boulot. L'avantage c'est que le vendredi elle rentre à la crèche quand elle est à l'école, donc ça va me permettre vraiment de rattraper tout ça, de faire mon ménage et tout pour la semaine qui arrive. Et demain soir on a prévu une petite sortie avec Kayla, ma maman, etc. Mais vous verrez ça dans le prochain vlog du coup. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.